Cade, pourquoi se sont-ils écrasés? C'est une méthode assez extrême et ça ressemble peu au cabal. Les clandestins ont intercepté un signal. Une communication cabal qui provenait de bien au-delà du système solaire. C'était un ordre de faire écraser le vaisseau pour l'utiliser comme brèche sur le cuirassé pour tuer le roi. Ça, c'est de la loyauté. J'ai réussi à traquer les frères Soudé. Ce sont eux qui attaquent le noyau du réacteur du cuirassé. Je vous indique les coordonnées tout de suite. Faites attention, ils ont un char. Bien passé. Dirigeons-nous vers le pont pour essayer de retrouver les deux frères. Je n'ose même pas vous dire combien d'éclaireurs j'ai perdu à cause de ces frères sur Mars. Il faut les arrêter, gardien. Soyez prudents. Les cabales et les corrompus combattent pour contrôler le pont. En tout cas, les frères ne sont pas là.
Continuons à chercher. Ne savent peut-être même pas que leur Primus a été corrompu. Ça pourrait simplement être un ultimatum pour récupérer leur commandant. C'est un signe de la force de l'influence de l'Empire Cabal sur ses soldats. La loyauté avant tout. Ça m'étonne qu'ils aient laissé le noyau du réacteur intact. Oh, des bombes. Il est truffé de bombes. Ils ont installé des explosifs près de chacun des points faibles du noyau. Les frères sont là. Éliminez-les.
c'est fait. Le lien fraternel est détruit. Je sais que les Cabals sont loyaux et tout, mais jugez leur action plutôt que leur grand discours. Vous avez éliminé des criminels de guerre, de vrais bouchers, et vous avez montré à l'Empire que l'avant-garde ne rigole pas. Bon travail.